Salut, salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le, j'ai envie de dire presque traditionnel, puisque je crois que ça fait 3 ou peut-être même 4 ans que je fais ça. Donc je vais faire un bilan de la mi-année, là maintenant tout de suite, parce que c'est la mi-année. C'est fou à quel point en fait cette année passe vite, je m'en rendais pas compte, mais là j'aime me prendre ça en pleine face. Genre c'est la mi-année déjà, 2023, super génial! Bref, c'est pas très très grave. Et du coup, comme chaque année, en fait, il y a 12 questions. C'est un espèce de tag pour faire le bilan sur la première partie de l'année. Il y aura, comme chaque année, début janvier 2024, du coup, le bilan de l'année 2023. Mais là, on va faire du coup le bilan des 6 premiers mois. Il y a 12 questions. C'est les mêmes questions chaque année. Et pour rassembler ces questions, j'avais pris plusieurs tags, plusieurs vidéos de midi, of workout, je sais pas quoi là, book tag, un truc comme ça. De personnes qui avaient fait ça. Il y a des questions différentes et il y a des questions que je trouve pas vraiment intéressantes. Il y a des questions auxquelles j'ai du mal à répondre chaque année mais que je laisse parce que je trouve ça cool. Et il y a des questions que j'aime bien juste avoir et juste répondre. En tout, il y en a 12. Je sais plus si je vous l'ai dit tellement je parle déjà en ce début de vidéo. Et je sais plus si je l'avais fait la dernière. Je crois pas. Peut-être, en vrai peut-être, mais bref. En tout cas, cette année, pour les 12 questions, à chaque fois, j'ai répondu avec un livre, un roman, ça ne change pas évidemment, mais aussi une BD parce que j'ai lu énormément de BD en ce début d'année. Le seul truc, c'est que j'ai pas toutes les BD avec moi parce que pour la plupart, je les ai empruntées à la bibliothèque. Alors, il y en a que j'ai lu parce que je les avais achetées, il y en a que entre-temps, j'ai acheté après les avoir lues et empruntées à la bibliothèque, et il y en a que j'ai toujours pas achetées parce que ben, je les ai toujours pas trouvées et que je veux principalement les acheter d'occasion, donc ben, du coup, je ne les ai pas. Encore, il y a très peu de chances qu'au montage, je mette les photos des BD que j'ai pas avec moi, tout simplement parce que je vais avoir très très peu de temps pour monter cette vidéo, donc que me rajouter les images et tout, je le fais avec un autre logiciel de montage que celui que j'utilise d'habitude, donc je suis pas sûre de mettre les photos des BD que j'ai pas avec moi sur l'écran pour vous, mais en tous les cas, il y aura tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude, ça ne change pas, et pour éviter que la vidéo ne dure une demi-heure, ce qui et j'espère pas le cas, mais en même temps, vu que j'ai beaucoup de livres à vous montrer, peut-être bien. En tout cas, pour essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas hyper hyper longue, on va commencer. Comme d'habitude, il y a mon ordinateur là-bas avec les questions, parce que j'ai pas du tout appris les questions par cœur et que je ne sais pas dans quel ordre elles sont non plus. Mais en tout cas, la première, c'est: avez-vous eu un coup de cœur? J'ai laissé cette question formulée comme ça parce que ça parle à beaucoup de gens, mais sur ma chaîne, vous ne m'avez jamais, jamais, jamais entendu dire que j'avais eu un coup de cœur pour tel ou tel livre. Il y a des livres que j'adore, il y a des autrices que j'adore, il y a des auteurs que j'adore, il y a des personnages masculins ou féminins que j'adore, mais dire que j'ai un coup de cœur pour un livre, c'est pas quelque chose que je fais. C'est comme ça. Voilà. Mais en gros, c'est un livre que j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Et au début, je l'avais mis dans une autre question, je crois, mais finalement, je l'ai mis là parce que. Bref, je voulais absolument en parler et c'est un livre que j'ai absolument adoré et que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, donc c'est Toute la ville en parle de Fanny Flagg. J'adore Fanny Flagg, vraiment. Et je lis pas beaucoup de contemporains, mais là, bah là c'est du contemporain. C'est même du contemporain un peu historique. Donc Fanny Flagg, elle est principalement connue pour avoir écrit Bénite tomate verte. Voilà, je pense que. Voilà, mais il y a aussi La dernière réunion des filles de la station de service, Miss Alabama, enfin bref. Il y en a beaucoup, j'adore Miss Alabama, non, j'adore Fanny Flagg, enfin Miss Alabama aussi, mais c'est pas le sujet du coup. Et ici, en gros, on va suivre la construction d'une ville aux États-Unis. Il me semble que c'est une communauté polonaise ou un truc comme ça. Suédois, je l'avais écrit sur mon post-it, j'ai cherché dans le résumé, mais c'est pas marqué. Mais sur mon post-it, je l'ai marqué. Ils sont pas polonais, ils sont suédois. En gros, voilà, c'est des personnes originaires donc, de Suède qui ont émigré aux États-Unis et qui se rassemblent. En gros, ils vont au début juste construire 2-3 fermes les unes à côté des autres parce que bah, du coup, ils viennent de la même communauté, donc ils se connaissent et tout. Et petit à petit, les gens vont venir, enfin, de nouvelles personnes vont arriver dans cette espèce de hameau, construire vraiment une route, une ville, tu vois, la livraison du bois nécessaire pour construire la ville, pour construire des boutiques, un coiffeur, un café, enfin voilà, tu vois cette construction et tu suis ces personnages-là et on va voir toute l'évolution de la ville, du moment où elle est créée, donc en 1800, je ne sais plus combien, attendez, ça doit être marqué quelque part, 1889, et l'histoire va jusqu'à aujourd'hui, enfin au moment où a été écrit le livre, soit 2021, 2022, un truc comme ça. Voilà, donc on suit ça. Évidemment,
le livre est très gros, mais on n'a pas non plus tout le détail du quotidien des gens. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même des dizaines et des dizaines d'années qui se sont écoulées, donc c'est pas possible, tu vois. Mais c'est la force de Fanny Flagg, cette capacité qu'elle a de, au final, en très peu de passages, en très peu de mots et en très très peu de textes, couvrir une aussi longue période et nous faire nous attacher à des personnages que on le sait, ils vont mourir. Évidemment, les premiers personnages qu'on rencontre, c'est pas un spoil du tout, hein, vous vous rendez bien compte, le truc commence en 1889 et termine en 2021. Donc forcément, les premiers personnages que t'as rencontrés, surtout que quand tu les rencontres, ils ont entre 20 et 25 ans, bah à la fin, ils sont morts. Enfin, évidemment, personne ne vit éternellement. Mais il y a aussi une petite part de fantastique avec justement ces personnes décédées. Et j'adore Fanny Flagg, j'ai passé un excellent moment. C'est peut-être pas la meilleure lecture de ma première moitié de 2023, mais c'est une des meilleures, c'est sûr. Et pour la BD, j'ai choisi une que j'avais achetée, donc c'est T-Zombie, le tome 1, toujours affamé, de Cazeneuve, Jacques Moiré, William. On n'est pas sur... on est sur une BD jeunesse, parce que c'est édité chez Bambou, mais on n'est pas non plus sur le truc le plus fun de la Terre, hein. On est dans un cimetière avec un zombie et une petite fille qui va rencontrer des zombies dans un cimetière. C'est à la limite du glauque, on va pas se mentir, mais je sais pas, j'ai adoré l'ambiance, les personnages, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et j'ai le tome 2 que j'ai gardé là après moi parce que je voulais le lire à la base pour le mois de la fantasy, mais en fait je ne l'ai pas lu. Et alors que je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas lu le tome 2 parce qu'en fait, je veux pas juste parler du tome 2 en update. J'aime bien dans les graphiques parler de plusieurs tomes d'une même saga et j'ai pas encore la suite. Donc je me suis dit que j'allais attendre pour lire le tome 2 pour pouvoir enchaîner les tomes et en parler en une seule et même, enfin, dans un seul et même update. Bref, mais voilà, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça très cool. Pour le Pumpkin, ouais, ça fait longtemps que j'avais pas parlé du Pumpkin. Pour le Pumpkin, c'est parfait, vraiment c'est parfait. Et comme je l'ai dit, c'est quand même une BD jeunesse, hein, donc c'est pas, ça fait pas non plus ultra flippé. Voilà, je pense que si t'es très, hein, si les très jeunes veulent le lire, il faut quand même qu'ils aiment un minimum avoir peur parce que c'est notamment imagé, hein, c'est une BD, donc il y a des scènes où les zombies mangent, où ils ouvrent des tombes, ou enfin voilà, c'est pas non plus un champ de fleurs et des papillons, tu vois, mais ça fait pas non plus ultra flippé, et j'adore ce genre d'ambiance, ce genre d'univers, et puis la couverture est juste magnifique. En bref, j'ai adoré cette BD, il faut absolument que je trouve les tomes au moins 3 et 4, parce que les tomes 3 et 4 sont sortis, je sais pas s'il y en a d'autres, mais il faut que je continue cette saga, j'ai adoré ce tome 1. La question 2, c'est littéralement l'opposé, puisque c'est ma plus grande déception sur cette première partie de l'année. Et toujours pareil, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que j'essaye, dans ces questions-là, de parler de livres que j'ai terminés. Et c'est pas toujours le cas. Bon, là, le livre que je vais vous montrer, je ne l'ai pas terminé. Mais là, ce que j'ai répondu à la question, c'est les deux tomes, en fait. Donc j'ai mis Le Prince des Ténèbres, les tomes 1 et 2 de Daniel Frost. Voilà, il se trouve que ici c'est le tome 2, à l'article de la mort, le titre du tome 1, je ne sais plus, c'est La mort dans l'âme. Voilà, mais je ne l'ai plus, en fait. Le tome 1, je l'ai terminé, celui-ci, je l'ai abandonné, et du coup, bah, je me suis séparée du tome 1, donc je ne l'ai plus, il ne me reste que celui-là. Donc, du coup, je vous montre celui-là pour que vous situez un petit peu. Mais de Janine Frost, donc j'ai lu sa saga Cat and Bones, donc Chasseuse de la nuit, que j'avais bien aimé, j'ai été au bout de Chasseuse de la nuit, c'était sympa. Mais ici en fait pour moi c'est pas cohérent, le tome 1 était déjà très très moyen et pas du tout à la hauteur de ce que je voulais, et alors le début du tome 2 a été, c'est l'incohérence même, ça n'a aucun sens. J'essaierai de vous retrouver pour chacun des livres que je vous montre l'update dans lesquels je vous en ai parlé. Mais encore une fois j'aurai très peu de temps pour faire le montage de cette vidéo et la description, donc je suis pas sûre d'avoir le temps, mais peut-être. Ouais, vraiment, ici on suit Leïla, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça. Leïla qui a un pouvoir assez flippant et assez cool en vrai. Elle a été un peu comme Harper Connelly, il me semble. Quelque chose comme frappée par la foudre quand elle était petite, un délire comme ça. Et en gros, depuis, dès qu'elle touche des gens, donc que ce soit des humains ou des vampires, ou d'autres êtres surnaturels d'ailleurs, elle peut voir une partie de ce qu'ils ont dans la tête. Donc en gros, ça peut être soit leur souvenir, un truc qui s'est passé il y a 5 ans, j'en sais rien, soit le moment présent, un truc qui leur arrive en ce moment, soit leur avenir,
quand elle les touche, elle voit ça, sauf qu'évidemment la contrepartie pour la personne qu'elle touche, bah, c'est qu'il se prend une décharge électrique. Oui, c'est pas très sympathique. Voilà, et il y a des méchants vampires qui découvrent qu'elle a ce pouvoir-là et qui se disent, bah, on va l'enlever, comme ça on pourra utiliser son pouvoir. Trop cool! Et donc, c'est ce qui se passe au début du tome 1, elle est enlevée par un groupe de vampires, elle comprend pas trop ce qui se passe, elle comprend qu'elle est en danger, qu'il y a un délire et tout, mais en même temps, elle est pas trop quoi faire, tu vois. Et en gros, ces vampires lui demandent de retrouver Vlad, et vous comprenez Dracula, évidemment, oui, c'est une partie des choses qui m'ont énervée. Ça me saoule quand tu crées aujourd'hui une histoire de vampire, de ne même pas prendre la peine de créer un nouveau personnage fictif, tu vois, de reprendre celui de Bram Stoker, ça... Pourquoi ça me saoule? Vraiment, ça me saoule. Enfin, bref, du coup, ils lui demandent de retrouver Vlad parce que bah, du coup, ils veulent tuer Dracula, tout simplement. Sauf que elle va s'arranger avec lui pour qu'il vienne la sauver au lieu qu'elle le dénonce aux autres vampires. Voilà. Et du coup, on est un peu sur un délire de romance chelou. Vlad est très, très, très violent. Vraiment, il est très, très violent. Il n'y a pas à être violent comme ça, monsieur. Enfin, genre, vraiment, c'est pas possible. Mais j'ai quand même lu le tome 1 en entier. J'espérais que le tome 2 prendrait une autre direction, mais dans le tome 2, j'ai trouvé Layla juste insupportable. Donc gros essai dessus. Voilà. Pour la BD, on aurait pu s'en douter, je ne l'ai pas avec moi, puisque il me semble que j'avais emprunté la suite à la bibliothèque, mais les premiers, je les avais. Sauf que, comme j'ai abandonné la saga, bah, entre-temps, je m'en suis séparée. C'est les carnets de cerises de Joris Chamblin et Amélie Néret, donc j'ai écrit, j'ai mis le tome 3 parce que c'est le dernier que j'ai lu, donc le dernier des 5 trésors. Je comprends pas cette saga, vraiment. En fait, je comprends pas pourquoi les gens adorent cette saga. Ce tome 3 en particulier, ça n'a aucun sens. Pour moi, je suis désolée d'être aussi violente, mais c'est mal écrit, c'est mal construit, c'est bancal, mais vraiment, l'histoire et la narration sont bancales, ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, je suis désolée, mais... je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens encensent cette saga alors que le scénario est complètement bancal. Je suis désolée, mais ça n'a pas de sens. Donc, plutôt que de m'acharner à lire une saga que tout le monde aime parce que tout le monde l'aime alors que moi je ne l'aime pas, j'ai décidé d'arrêter de la lire, mais voilà. La question 3, c'est ma plus grande surprise. Et donc là, c'est surprise positivement, puisque déception, on a... déjà fait, et il n'y avait aucune concurrence pour ce livre, genre vraiment, c'est ma plus grosse surprise. Je m'attendais à abandonner ce livre, et au final, non seulement je l'ai terminé, mais en plus, je l'ai adoré. C'est Witch and God, le tome 1, et là, la promise de Liv Stone. Ce livre n'avait rien pour me plaire. On est sur du young adult avec une histoire de mariage forcé et une pauvre fille qui n'a pas de pouvoir, qui se retrouve au milieu de créatures surnaturelles et de dieux en l'occurrence, donc de sorcières et de dieux comme le titre l'indique, et qui va se retrouver au milieu d'un univers un peu foutez-lui la paix, à rien demander, tu vois. Ça c'est le pitch tel qu'on le fait, mais en fait c'est pas l'histoire telle qu'elle est. J'en ai parlé il y a pas longtemps de celui-là, et vraiment j'ai adoré Ella, le personnage, je l'ai trouvé vraiment génial. La mythologie est vraiment cool, les dieux qui sont personnages ici par l'autrice sont des dieux qu'on n'a pas l'habitude de croiser, des dieux et des déesses qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Alors il y a quand même Hera, Aphrodite, des noms que tu connais, tu vois, mais genre le personnage principal masculin c'est Deimos, le dieu de la terreur. Alors lui on le connaît pas, enfin genre vraiment on n'a jamais entendu parler, c'est comme ça, mais vraiment j'ai adoré l'univers, l'ambiance, ouais, les personnages, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très cool. Mais je m'attendais à l'abandonner, hein. Vraiment au bout de 30 pages, je m'attendais à balancer le bouquin, à me dire non, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Et en fait, je l'ai bouffé et je l'ai adoré. Bon, alors où je vous parle, j'ai toujours pas acheté la suite parce que je suis pas réellement prête à mettre les 20€ que coûte le tome, tu vois. Non, vraiment non. Celui-là, je l'ai eu gratuitement, enfin je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Halloween de Once Upon a Book. Et je suis très contente parce que je l'aurais probablement jamais acheté et jamais tenté si je l'avais pas eu, et du coup, bah du coup je l'ai tenté et je l'ai adoré. Et c'est pour ce genre de livre, pardon je perds ma voix, que je continue encore et toujours à tenter des sagas young adultes, de dystopie, de fantasy, de fantastique, même si ça marche de moins en moins, je continue quand même à essayer parce que bah, des fois ça marche en fait, voilà. Et pour les graphiques, c'est un graphique que j'ai emprunté à la bibliothèque mais que j'ai tellement aimé que j'ai acheté, parce que j'ai réussi à le trouver d'occasion, donc c'est l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur de Gauthier et Lefebvre. Je l'ai mise en plus grande surprise parce qu'en fait, j'ai une de mes amies qui adore
ce graphique-là, vraiment. Elle fait partie des gens qui lisent et relisent continuellement les mêmes trucs, et bah ce truc-là, elle le relit tout le temps, tu vois. Vraiment, je vais vous montrer une planche. Voilà. Et du coup, elle me saoulait depuis que j'ai commencé les BD pour que je lise ça. Vous me direz, elle aurait pu me le prêter, sauf que sa BD est dans un état catastrophique parce qu'elle la lit tellement que vraiment le dos est en morceaux. Genre vraiment, il va tomber en poussière dans peu de temps. Donc elle pouvait pas me le passer. Il aurait fallu que je le lise, c'est elle. Enfin bon, bref, c'est de la logistique, on s'en fout. Mais du coup, je l'ai trouvé à la bibliothèque et je me suis dit que j'allais tenter. Et en fait, j'avais peur. C'est bizarre d'avoir peur de lire Epiphany Prayer. Bon, bref. J'avais peur parce qu'elle aime tellement et elle m'en parle tellement que je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Et bah c'est le cas. Vraiment, c'est le cas. En fait, j'ai été surprise d'aimer un truc qu'on m'avait dit que j'allais aimer. Je sais pas comment expliquer. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment cool. Dans l'écriture, dans la narration, dans la construction, ça m'a un peu rappelé Timothée de Fombelle, qui est quand même une valeur sûre pour moi. Et ouais, vraiment, donc c'est l'histoire d'une petite fille, donc Epiphany Frayer, qui a peur de sa peur. Donc sa peur, c'est le grand truc noir là qui est dessiné. Et en fait, sa peur, comme elle a peur de tout, tout le temps. Et donc ça l'empêche littéralement de vivre. Jusqu'au jour où c'est plus possible en fait, ça peut plus durer comme ça, et donc elle décide qu'il faut qu'elle se débarrasse de cette peur, même si au final c'est confortable pour elle d'être avec cette peur. Alors là, la peur est personnifiée par une espèce de monstre noir assez mignon quand même, mais voilà, ça la rassure d'avoir peur tout le temps, elle est habituée à avoir peur tout le temps, et même si elle sait qu'elle devrait arrêter d'avoir peur pour rien tout le temps, elle a du mal. Et vraiment, j'ai adoré, je trouvais ça très cool. Il y a un tome 2 que j'ai aussi lu et que j'ai trouvé tout aussi génial. Voilà. La question 4, elle fait partie de celles pour lesquelles je galère à trouver une réponse chaque année, mais que je garde parce que je trouve ça intéressant, en vrai. Donc c'est mon personnage préféré découvert cette année. En fait, ce qui me rend la question difficile, c'est que au cours des 6 mois là, j'ai lu des livres avec des personnages que j'aimais déjà et que j'avais découvert avant, en 2022, 2021, 2020, tu vois. Et donc du coup, les mettre en parallèle de nouveaux personnages, c'est compliqué. Enfin, vous voyez, si tu me demandes le personnage préféré parmi tous les livres que j'ai lus en ce début d'année, ça sera pas un nouveau que j'ai découvert. Du coup, en trouver un nouveau, c'est compliqué. Mais, en termes de livres, j'ai choisi Elf de Société Protectrice des Monstres, donc ici le tome 1, Loup-garou contre dragon, pardon, de Matthew Morgan, David Sinben et Guy McDonald. J'adore, vraiment je le trouve très chou, très cool, très mignon. En gros ici on est dans de la fantasy, je dirais, presque de la fantasy. En gros on est dans un monde où il existe tout plein de créatures surnaturelles, c'est ok, elles vivent avec nous, enfin avec les humains, tout va bien et tout. Mais c'est vraiment à la limite de la fantasy. Et en gros il y a le manoir Faraday, il me semble. Comme ça. En fait, à chaque fois, j'hésite parce que je sais que Faraday, c'est dans La Faucheuse. Du coup, je suis pas sûre que ce soit ça. Mais en gros, il y a un manoir qui a été transformé en clinique vétérinaire pour toutes ces créatures surnaturelles. Et donc, il y a un vétérinaire, enfin une vétérinaire même, qui vit là-bas et qui soigne les animaux. Et Ulf, c'est lui. Donc, c'est un petit loup-garou orphelin qui a été recueilli par cette vétérinaire. Et donc, normalement le système c'est qu'elle recueille les animaux, elle les soigne le temps dont ils ont besoin et ensuite elle les relâche dans la nature, ou alors s'ils peuvent pas être relâchés dans la nature, elle a une réserve, enfin il y a une réserve autour du manoir de plusieurs hectares et du coup les animaux vivent en liberté dans cette réserve, voilà. Mais Ulf, lui, comme il est loup-garou, il est la plupart du temps humain, du coup elle l'a recueilli quand il était bébé parce qu'il était orphelin. Et donc il vit avec elle au manoir et il l'aide à soigner toutes les autres créatures. Et vraiment j'adore ce personnage, je le trouve vraiment vraiment cool. Dans chaque tome il y a un méchant qui essaye de récupérer, de braconner et de tuer les animaux. Et donc Ulf est la vétérinaire qui essaye d'empêcher ce méchant de faire ça parce que ça ne devait pas. Voilà, on a quelques illustrations comme ça. Et en fait vraiment j'adore Ulf, je le trouve vraiment vraiment cool. Comme personnage, il est vraiment génial. Ça fait partie des personnages que j'aurais aimé rencontrer quand j'avais, je sais pas, 11-12 ans, tu vois. Encore une fois, aujourd'hui, j'en ai presque 30, donc c'est un peu dommage, mais vraiment, j'adore Ulf. Pour le graphique, je ne l'ai pas avec moi. J'ai lu la saga complète en l'empruntant à la bibliothèque. Il faut absolument que je les achète, mais je ne l'ai pas encore. Donc, c'est Nin, le tome 1, La Ligne Noire de Darlot et Pilet. Et donc, le personnage, c'est Nin, le personnage principal
de cette saga de BD. J'adore Nine, vraiment, c'est une petite fille trop cool. Encore une fois, on est sur un personnage que j'aurais adoré rencontrer quand j'étais petite, pour l'avoir comme modèle en fait, pour savoir que ce genre de petite fille existait et qu'en tant que fille, j'avais le droit de faire ça, tu vois. Et j'étais pas obligée d'être tout le temps sage, calme, de parler doucement. Non, j'étais pas obligée de faire ça tout le temps. Je pouvais juste faire ce que je voulais, quand je le voulais, m'habiller comme je voulais, contrairement à ce qu'on m'a appris quand j'étais petite, voyez-vous. Et dans Nine, on suit donc du coup Nine, qui a été retrouvée dans le métro quand elle était petite et qui a été élevée par deux hommes. C'est une saga très moderne, je trouve. Je ne sais plus trop quand elle est sortie, mais c'est très très cool. Bref, du coup, elle a été élevée par... En gros, elle a été trouvée par deux employés du métro et ils l'ont adoptée par la suite, ces deux hommes. Et au début de la saga, elle va découvrir que derrière cette histoire de bébé caché dans le métro et de bébé trouvé dans le métro, il y a peut-être autre chose. Ça part assez rapidement en fantastique surnaturel, mais j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai adoré, il y a toute une partie sur l'histoire du métro parisien, et puis il y a tout ce côté fantastique sur les dessous, littéralement, du métro parisien et de Paris elle-même, enfin la ville, je veux dire. Et en parallèle, on suit Nine, ses questionnements, c'est l'âge où elle se pose des questions, et d'autant plus parce qu'elle connaît pas sa famille, elle se pose des questions sur d'où elle vient, comment elle a atterri dans le métro, pourquoi on l'a abandonnée, où est sa famille, est-ce qu'ils sont encore vivants ou pas. Vraiment, j'ai adoré la saga et j'ai adoré le personnage. La question 5, c'est: avez-vous découvert un nouvel auteur ou une nouvelle autrice? Évidemment, oui, je lis des auteurs et des autrices que j'avais jamais lus très souvent. Et je pouvais pas parler de quelqu'un d'autre que d'Emma Green, vraiment, donc La vie en vrai d'Emma Green. J'avais peur de lire ce livre, déjà parce qu'il est énorme. Ensuite parce que quand je l'ai commencé, je voulais une romance toute mignonne, toute gentille, et on suit une jeune fille qui s'appelle Louve et qui a tellement subi de harcèlement au lycée que le livre démarre sur une tentative de suicide. Du coup, on était loin de la romance mignonne et gentille que je voulais quand j'ai commencé ce bouquin, voyez-vous. Mais j'ai adoré cette histoire, vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Depuis, j'ai acheté un autre livre de Emma Green, je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps, mais vraiment j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré cette histoire, et du coup la tentative de suicide est un échec, Dieu merci, et toute l'histoire du livre c'est qu'elle retourne au lycée et qu'elle va essayer de plus laisser faire et de trouver du positif là-dedans. C'est pas toujours évident, mais elle va essayer, et c'est une romance, comme tout ça. Il y a Lazare qui fait partie du groupe de gens qui la harcèlent, mais a priori pas trop. Enfin, c'est assez bizarre, mais vraiment, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, et voilà, elle fait partie des auteurs et des autrices que j'ai lu pour la première fois en ce début d'année, et que je vais relire, c'est sûr. Pour ce qui est des graphiques, j'avais le choix, hein, parce que j'ai lu tellement de graphiques en ce début d'année que j'ai découvert beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices, beaucoup de dessinateurs, beaucoup de dessinatrices, même de coloristes. Peut-être bien, coloriste et mixte apparemment comme terme, parce que oui, bref. Et j'ai choisi Violette autour du monde. Donc ici c'est le tome 2, La symphonie du nouveau monde, parce que d'occasion j'ai trouvé que le tome 2, j'ai pas trouvé la suite, j'ai pas trouvé le premier tome et j'ai pas trouvé le tome 3, parce que c'est une saga de BD terminée en 3 tomes de Balis et Turconi, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Vraiment j'ai adoré. Donc on suit un cirque itinérant, et on suit plus précisément donc Violette qui fait partie de ce cirque. Qui est née dans ce cirque parce que ses parents en font partie depuis toujours, tu vois. Et voilà, on suit ça, et donc du coup on a une histoire dans chaque ville où elle rencontre d'autres des personnages qui ne font pas partie du cirque, et voilà, elle va grandir, elle va mûrir, j'ai adoré, vraiment j'aurais pu mettre Violette en personnage préféré, enfin découvert cette année, voyez-vous, mais plus que Violette, c'est l'univers, l'ambiance que j'aime. Et c'est surtout des auteurs un auteur et un illustrateur que j'avais découvert en BD, donc voilà. La question 6 à l'inverse, c'est: avez-vous lu un de vos auteurs ou autrices préférés? Évidemment, oui, c'est pareil, autant je découvre des auteurs et des autrices, autant il y a des auteurs et des autrices que j'adore et que je lis encore et toujours, et là j'ai choisi Cassandra O'Donnell. Donc ici c'est le tome 6 de Rebecca Kim qui s'appelle Origine. J'ai le tome 7 que j'ai eu à Noël dernier, mais je ne l'ai toujours pas lu parce que le tome 8 n'est pas sorti et n'est pas prêt de sortir a priori, surtout qu'elle vient de sortir un tome 1 d'une nouvelle saga.
J'avoue que j'aurais préféré qu'elle termine Rebecca Kane avant de commencer d'autres sagas, moi aussi, comme certaines personnes me l'ont déjà dit en commentaire. Mais peut-être qu'elle a juste du mal à écrire la fin de Rebecca Kane. Peut-être que nous, parfois, on a du mal à lire un dernier tome de saga parce qu'on veut pas quitter les personnages, parce qu'on veut pas quitter l'univers. Peut-être que l'autrice a du mal à écrire le dernier tome parce qu'elle veut pas quitter Rebecca Kane et l'univers. Du coup, elle écrit autre chose en attendant. Enfin, possible. Mais c'est vrai que c'est agaçant de pas avoir la suite. Mais bref, du coup, voilà, j'ai lu ce tome-là au tout début de l'année. J'adore Rebecca Kane, j'adore Cassandra O'Donnell. Et voilà, on est sur une saga de beatlit assez adulte quand même, et assez sombre, et vraiment cool. Et en termes de graphique, j'en ai parlé tout à l'heure, alors je suis désolée, vous allez pas voir grand-chose, parce que normalement il y a une jaquette, mais j'aime pas les jaquettes, du coup je l'ai jetée, mais c'est Quelqu'un m'attend derrière la neige, de Timothée Trombel. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure de Timothée Trombel, j'adore Timothée Trombel. Je l'ai mis en graphique parce que je savais pas quoi mettre sinon, et parce qu'on a quand même de magnifiques illustrations, et que le format ressemble plus à un graphique qu'à un roman, mais on a quand même des pages complètes de texte. Voilà. Mais je l'ai quand même mis en graphique. J'ai beaucoup aimé, ça se passe au moment de Noël, on suit un laitier, je crois, je sais plus, alors vu que j'ai pas de résumé, j'ai rien du tout, j'ai rien pour m'aider. Mais en gros, je sais plus trop quel métier il fait, mais c'est pas très important. Il me semble qu'il est glacier. Bref. En gros, il part de... On suit un homme, du coup, qui part d'Italie avec son camion et qui doit faire une livraison juste avant Noël en Angleterre. Du coup, voilà, il prend son camion et il se met sur la route. Sauf que en chemin, sa chef l'appelle et lui dit que la commande a été annulée et lui demande de rentrer. Donc voilà, on suit juste ça. Alors dit comme ça, franchement, ça a l'air absolument nul, absolument à chier. Mais... Monsieur Timothée Trombel a la capacité de rendre des histoires a priori nulles absolument géniales. Voilà. La question 7, c'est la meilleure suite de série que j'ai lue jusqu'à maintenant. J'ai un peu hésité parce que c'est un livre dont je vous ai pas parlé, mais normalement, à l'heure où sortira cette vidéo, ça sera la prochaine vidéo, ou en tout cas le prochain livre de lecture dans lequel je vais vous en parler. Mais j'ai finalement mis Le Pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 4, Artifice et Arbalète. De Gail Carriger, il me semble que j'ai lu tome 3 aussi en ce début d'année, je sais plus. Mais j'adore Gail Carriger, j'adore ici Sophronia. Vraiment, j'adore ses univers, j'adore ses ambiances. J'aurais pu la mettre en auteur préféré, mais Rebecca Kane n'est pas une fin de saga, alors qu'ici on est sur une fin de saga. Donc, bah, du coup, je pouvais pas. Mais, enfin, la question c'est meilleure suite de saga, vous me direz. Mais bref, j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. On est dans du steampunk fantastique avec des vampires et des loups-garous et des personnages féminins toujours absolument géniaux. J'adore Gail Carriger, vraiment. Et j'ai trop hâte de commencer sa nouvelle saga. Enfin, sa nouvelle saga pour moi parce que je ne l'ai pas commencé, mais c'est le protocole de la crème anglaise, il me semble, un truc comme ça. Vraiment, j'adore. Et puis alors, la fin de ce tome 4, c'est un clin d'œil magistral à son autre saga, Le Protectorat de l'Ombrelle, et c'est juste génial. Bref, je vous en parlerai un peu plus dans l'update, mais voilà. Et pour les graphiques, j'ai choisi Enola et les animaux extraordinaires. Donc ici, c'est le tome 1 que je vous montre, la gargouille qui partait en vadrouille de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, parce que les derniers tomes que j'ai lus, je les ai empruntés à la bibliothèque. Ou alors peut-être que le truc de la sirène, je l'ai acheté. Je sais plus. Bref, mais en tout cas, cette année, j'ai lu les tomes 4, 5, 6 et 7. J'ai lu tant de tomes que ça? Ça me paraît bizarre en le disant, mais je crois que c'est ça. Puisque le premier que j'ai lu cette année, c'est le tome 4, donc le Yeti qui avait perdu l'appétit. J'adore cette saga, je trouve ça absolument génial. Le tome 7, celui avec la sirène, je l'ai trouvé un petit peu moins bien. Mais c'est une saga vraiment géniale que j'adore, vraiment. Je vais vous montrer une planche, pareil. Et voilà, on suit Enola qui est un vétérinaire, créature fantastique. Donc il y a la gargouille, la sirène, le yeti, le griffon. Je sais plus, je vais pas tous vous les citer parce que je m'en rappelle plus. Mais vraiment, j'adore Enola, j'adore cette saga. Les dessins sont très cool, très beaux. Et toutes les histoires sont vraiment cool. Bon, sauf la sirène que j'ai un peu moins aimée, mais voilà. Ah, je savais bien qu'il y avait une question, mais du coup, c'est la question 8. Donc la question 8, c'est avez-vous terminé une série? Oui, et même plusieurs. Donc du coup, bah, j'ai terminé, comme je vous disais tout à l'heure,
le Gelkiriger, enfin la saga de Gelkiriger. Mais pour cette question précisément, j'ai choisi Le Club de l'Ours Polaire, le tome 3, l'Atlas Fantôme 2, Alex Bell. Je l'ai lu en tout début d'année, celui-là aussi. J'adore cette saga, vraiment j'étais très triste de terminer cette saga. Mais j'ai découvert ensuite que l'autrice avait fait une autre saga, à peu près dans le même univers, et donc j'espère dans la même ambiance. Je l'ai pas encore lu, je l'ai mis dans ma palle de juin-juillet et dans ma palle de l'été, mais alors au fond de cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu. Vraiment j'adore. Ici on suit Stella, qui au début du tome 1, donc notamment c'est Stella et les mondes gelés, et au début du tome 1, elle rêve de partir en expédition dans le pôle nord, en gros un endroit... de glace et de neige, voilà. Il y a plein d'explorateurs, on est dans un univers avec des clubs d'explorateurs. Le club de l'ours polaire, c'est un club d'explorateurs. Et elle veut partir en expédition. Elle veut y aller, elle aussi. Sauf que les clubs sont réservés aux hommes. Voilà. Donc on lui explique gentiment et mignonnement que, bah non, vous êtes une femme, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer dans le club et vous ne pouvez pas faire d'expédition. Vous comprenez, c'est bien trop dangereux pour une femme. Sauf que elle n'est pas d'accord du tout. Évidemment. Et elle décide de faire bouger les choses, et avec l'appui de son père adoptif, elle va parvenir à entrer dans ce club et à partir en expédition. Déjà, ce point de départ, j'adore, vraiment, c'est toute ma... enfin, vraiment trop, trop bien, tu vois. Et ensuite, on suit donc l'expédition, et dans chaque tome, on a une expédition comme ça. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Je suis un peu triste d'avoir terminé la saga, mais en même temps, je suis contente d'avoir été au bout. Et j'ai très hâte de lire l'autre saga de l'autrice. J'ai toujours un doute sur Alex Bell, je sais jamais si c'est un auteur ou une autrice, bref. Et on a quelques illustrations, voilà, je vous en montre une. Vraiment c'est une saga géniale, c'est marqué à partir de 10 ans derrière. Et encore une fois, je suis très triste de ne pas avoir découvert cette saga quand j'avais 10 ans. Pour les BD, j'ai pas vraiment réfléchi très longtemps. Il n'y a qu'une seule saga de BD que j'ai terminée et dont j'avais très envie de vous parler. Il y en a d'autres que j'ai lues au complet sur l'année, mais celle-ci je l'avais commencée avant et je l'ai terminée au début d'année. Et ça a brisé mon petit cœur de terminer cette saga parce que j'adore cette saga. C'est Le Manoir Croquignol de Monsieur Tan et Camille Roy. J'adore cette saga, j'adore Monsieur Tan. Et je suis très triste de l'avoir terminée, mais c'était très cool, vraiment c'était très cool. Pareil, de nouveau, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vraiment j'adore cette saga, j'ai trouvé ça absolument... génial, Monsieur Tan est un génie pour les enfants. Et encore une fois, je n'ai qu'un seul regret, de ne pas avoir découvert cette saga quand moi-même, j'avais 8-10 ans, tu vois. Voilà, alors ici on suit principalement des petits monstres, donc ça peut faire un peu peur aux enfants. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà, on va suivre un vampire, une sirène, un fantôme, un diable, un garou, enfin... voilà. Et on suit du coup une école de petits monstres où le but c'est de faire tout l'inverse des humains. Voilà. C'est-à-dire que plus tu arrives en retard, moins tu fais tes devoirs, plus t'es sale, plus tu as de bonnes notes. Voilà. Mais vraiment j'adore, je trouve ça absolument, absolument génial et je suis capable de pleurer tellement je suis triste d'avoir terminé cette saga, c'est vous dire. La question 9 c'est avez-vous lu un roman, enfin ou un graphique du coup d'un auteur ou d'une autrice française. Au début j'ai hésité à laisser cette question et puis je me suis rendu compte en fait, et c'est visible avec tous les livres que je vous ai montrés, que j'ai parlé au final de très très peu d'auteurs et d'autrices français ou françaises. Il y a Timothée de Fombelle, oui, et certains graphiques qui sont écrits par des français, mais sinon la plupart des livres que je vous ai montrés ne sont pas francophones et donc pas français. Donc j'ai trouvé ça intéressant et c'est rare que je cite ce genre de livre, mais j'ai adoré cette histoire, donc j'ai choisi Let Your Heart Be Light de Alexandre Germain. Le titre est en anglais, je sais, mais l'autrice est française, c'est Lily Bookin, pour ceux qui ne s'y situeraient pas. Et du coup, on est sur une romance de Noël. Donc là, au mois de juin, on n'est pas dans le thème, mais j'ai adoré. Vraiment, c'est très très court, ça fait à peine 100 pages. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très cool et en plus, comme je le dis à chaque fois, Lily Bookin est originaire de la même région que moi, enfin du même département que moi même, à savoir la Gironde. Et donc même si là on est dans un petit village au cœur des bois avec plein de neige et plein de forêts, c'est logique, les personnages viennent de Bordeaux. Et du coup il y a des petites références qui sont faites, c'est pas grand chose mais... Je trouve ça très cool, voilà, c'est tout, je trouve ça génial. Et j'ai adoré, vraiment, c'était vraiment mignon, vraiment chou. Et c'est rare pour moi d'apprécier une romance de Noël, donc quand elle est en plus écrite par une autrice française que j'aime beaucoup,
j'ai pas pu résister à la cité. Pour les graphiques, au début, je vous avoue, je voulais faire l'impasse parce que j'avais la flemme de regarder si c'était français ou pas. Et puis, je me suis dit que ça coûtait pas grand-chose d'aller voir la biographie de quelques auteurs ou illustrateurs ou illustratrices ou autrices de BD. Et donc, j'ai fini par le faire et du coup, j'ai choisi Aliénor Mandragore, donc ici le tome 1, Merlin est mort, vivre Merlin, de Séverine Gauthier et Thomas Laboureau. Voilà. Du coup, c'est aussi une saga que j'ai empruntée à la bibliothèque et j'ai réussi à trouver le tome 1 d'occasion. Il faudrait que je trouve la suite d'ailleurs, mais voilà, j'ai trouvé ça, j'adore cette saga. Je ne l'ai pas fini d'ailleurs, j'ai emprunté la suite et la fin la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, donc je vais finir cette saga dans pas très très longtemps. Mais en gros, on est dans un univers fantastique où on suit Aliénor Mandragore qui est la fille de Merlin et qui apprend la magie et le côté druide de son père. Et il y a aussi Morgane et sa sœur qui sont par là avec la magie et tout. Il y a aussi une personnification de la mort là-dedans et une partie des légendes arthuriennes. Enfin, vraiment, c'est une BD assez complète que je trouve assez, assez cool. Et le personnage d'Aliénor Mandragore est vraiment sympa. Je cherchais une planche assez sympa à vous montrer et j'ai fini par trouver. Donc voilà. Pour la question suivante, je n'ai pas eu le choix parce que j'ai pas réellement cherché en profondeur, mais de ce que je sais, le livre que je vais vous montrer, c'est le seul qui répond à la question. Donc la question, c'est: avez-vous lu un livre adapté au cinéma ou en série télé? J'ai vu des séries tirées de livres, mais j'ai pas lu les livres. Du coup, ça marche pas. Du coup, la seule saga, c'est une série dont... Enfin, c'est une série que j'ai pas vue. Voilà, la série tirée des livres, je ne l'ai pas vue. Mais j'ai lu les livres, oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, c'est La Roue du Temps de Robert Jordan. Ici, le tome 6, Le Dragon Réincarné, donc c'est en fait le tome 3, partie 2, il me semble. Voilà, ça commence à faire un moment que j'ai pas lu de tome de cette saga. Il me semble que j'ai lu les tomes 6 et 7 en ce début d'année, et ça fait un moment que j'ai pas repris. Le dernier que j'ai lu, je l'ai terminé au mois de mai, là on est fin juin. Et j'ai pas avancé dans la saga, mais voilà, du coup, La Roue du Temps, adapté en série. J'ai toujours pas commencé la série parce que je ne sais pas à quoi correspond la saison 1 en termes de livres et que je veux pas me spoiler avant de lire les livres. Du coup, j'ai toujours pas commencé la série. Puis j'ai d'autres séries à regarder, donc c'est pas très grave, mais voilà. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire le résumé de ce livre, déjà parce que la vidéo est très longue et ensuite parce que c'est toujours le même résumé que je fais. Donc si vous savez pas de quoi ça parle, je vous renvoie soit à l'objet de lecture dans lequel j'en ai parlé, soit à la page BookNode ou à n'importe quelle page de n'importe quel site littéraire si vous voulez. Et pour les graphiques, j'ai cru que j'allais pas en avoir à vous montrer et que j'allais devoir tricher, mais en fait j'étais persuadée que c'était dans l'autre sens, mais non. Je m'explique. Du coup, la BD, c'est Loup. Alors ici c'est le tome 6, L'âge de cristal de Julien Neal, parce qu'en fait j'ai pas le tome 1. Voilà, du coup voilà, c'est ça. Et il me semble que c'est le premier tome que j'ai lu cette année. Voilà. Entre temps, il se trouve que c'est une saga que j'ai décidé d'abandonner. Mais bref. Et en fait, j'étais persuadée que on avait d'abord eu le dessin animé et ensuite la BD. Mais en fait, non. Pas du tout. On a d'abord eu la BD et ensuite le dessin animé. Donc, ça a été adapté en dessin animé. Du coup, ça marche. La question 11, je la mets chaque année parce que si j'en suis arrivée à ce stade-là dans ma lecture, c'est que ça m'a énormément touchée. Et là, j'en ai beaucoup parlé en vlog notamment. Donc la question, c'est: avez-vous lu un livre qui vous a fait pleurer? Oui, évidemment. Je me rends compte que je pleure de moins en moins pour des livres, mais là, celui-ci, j'ai failli pleurer quand je vous ai lu un extrait en vlog, donc évidemment que j'ai pleuré quand je l'ai lu. C'est Les Aventurières du Ciel de Catel Faria. Voilà, c'est ce livre rassemble 6 biographies d'aviatrices françaises, américaines et anglaises, il me semble. Et voilà, du coup, c'est des histoires de 6 femmes qui ont réellement existé et qui ont fait avancer l'aviation féminine. Voilà, il y en a une notamment qui m'a touchée. J'ai lu le début de la nouvelle en vlog et j'en ai parlé en update. Je m'attendais pas à aimer, mais en fait je m'attendais pas à aimer ce livre, je m'attendais pas à terminer ce livre. Non seulement je l'ai aimé, mais en plus je l'ai terminé, et voilà, je n'ai pas les mots, mais j'ai eu les mots dans l'update normalement, donc je vous invite à le regarder si jamais ça vous intéresse.
Le graphique, je ne l'ai pas parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, de nouveau, encore et toujours, oui, et que je ne l'ai pas trouvé d'occasion et qu'il est très difficile à trouver d'occasion, c'est Légende de la Garde, mais les petites nouvelles en plus, donc Balbine le Brave et autres contes de David Peterson, pardon, j'arrivais pas à lire ce qu'il y a marqué. En fait, Légende de la Garde, c'est une trilogie dans laquelle on suit des souris, c'est de la fantaisie médiévale avec des animaux, donc il n'y a pas d'humains là-dedans. Et on suit ça. Et en plus de la trilogie, David Peterson a écrit une espèce de mini recueil de contes. Et du coup, j'ai lu ce mini recueil de contes après la trilogie. Et la fin est juste terrifiante. Je sais plus précisément si j'ai réellement pleuré, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été émotionnellement bouleversée par ce tout petit truc en vrai. Vraiment, en termes de BD, c'est quand même rare que je pleure. Du coup, j'avais pas d'autres trucs à vous à citer pour cette question. Et c'est une saga que j'ai beaucoup aimée et que j'avais pas encore eu l'occasion de citer dans cette vidéo. Donc, comme ça, c'est fait. Et enfin, la question 12, c'est aussi une de celles pour lesquelles je galère chaque année, mais je trouve que c'est important. Donc, c'est avez-vous lu un livre qui vous a rempli de joie? C'est toujours plus facile pour moi de parler de livres qui m'ont rendu triste ou que j'ai aimé, mais rempli de joie, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, j'ai choisi Bruxelles de Éléonore de Millepoix. J'ai adoré ce livre, cet univers est juste génial. Ici, on est avec des oiseaux. Il n'y a pas d'humains, vraiment, on suit que des oiseaux. Il y a une histoire de deux qui ont disparu des nids, qui ont été volés. Et donc, les oiseaux vont créer un espèce d'escadron de trois oiseaux issus de trois espèces différentes pour enquêter sur ces disparitions d'eux et savoir où ils sont, qu'est-ce qu'on en a fait, qui est responsable pour éviter que ça se reproduise, machin et tout. Et vraiment, j'ai adoré. Je m'attendais à rien et je l'ai acheté sur un coup de tête. Je l'ai lu quasiment dans la foulée sur un coup de tête. Et j'ai passé un très très bon moment, c'était vraiment génial. C'était comme une parenthèse dans mon année, je sais pas comment expliquer vraiment, ce livre est génial. Et pour les graphiques, on est de nouveau sur un graphique que j'ai emprunté à la bibliothèque et que donc je n'ai pas avec moi. Et on est sur la saga la plus mignonne que j'ai pu lire en ce début d'année, c'est Hôtel Étrange. Donc le tome 1, L'hiver au printemps de Catherine et Florian Ferrier. J'ai adoré, vraiment, on suit. Tout un petit groupe de personnages complètement disparates. Il y a des humains, des créatures surnaturelles, fantastiques, mais qu'on connaît déjà, comme les fantômes, et d'autres créatures qu'on connaît pas, comme des espèces de petits monstres pas définissables. Et voilà, on suit leurs petites aventures. C'est très mignon, c'est très chou, vraiment. J'ai adoré cette saga, j'ai trouvé ça génial. Et ça fait partie des sagas que je veux faire lire aux enfants dans mon entourage. Vous voyez, ce qui n'est pas forcément le cas du Manoir Croquignole, même si je l'adore par exemple, mais celle-ci, vraiment, je veux la partager avec les enfants que j'ai autour de moi. J'en ai pas énormément non plus, mais bref, voilà, vraiment, Hôtel Étrange, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment génial. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, je me suis moquée de vous avec l'histoire de la demi-heure en début de vidéo et je me rends compte qu'elle fait largement plus d'une demi-heure au final, mais écoutez. C'est comme ça. Bref, comme d'habitude, si vous voulez répondre aux questions en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!